J'ai tourné pendant 5 ans où j'ai suivi les jeunes générations de cheminots tunisiens et notamment les conducteurs de train. Et deux en particulier pour moi qui parlaient de la Tunisie post-révolutionnaire, un lanceur d'alerte et un jeune qui rêve d'être un artiste et qui finit par réparer le train avec ses mains et avec les moyens du bord. Donc voilà, c'est un film à la fois poétique et politique. Peut-être qu'il faut que j'aille dans le milieu du travail et de parler de cette nouvelle génération dans le service public en fait. De quoi ils rêvent, comment est leur quotidien et je pense que quoi de mieux que les chemins de fer pour raconter un pays. Et puis finalement, c'est devenu des portraits croisés avec une conductrice de train, un chef de gare. Et là, c'est devenu un film de plus en plus poétique. Et puis politique parce qu'il y a un lanceur d'alerte à l'intérieur. Et donc, on apprend aussi l'ampleur de la situation, les accidents de train, les gens qui meurent. Et là, ça devient... Là, on devient sur... Voilà, là, on parle d'un pays, mais aussi on parle d'une détresse, en fait.